Moula intervient dans la musique congolaise à partir du moment où la troisième génération se crée, où des jeunes gens de la ville de Kinshasa. En tout cas, on a combo de la forêt, beaucoup de l'année, on a beaucoup de l'année, on a de la paix. Je tiens à remercier vivement Monsieur le Président de l'Assemblée province de Kinshasa, le pasteur Godin Poi et son Excellence, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Repose en paix. Yann Roger, nous t'oublierons à jamais. Merci. Merci. Merci donc, là c'était le neveu de Defleur, M. Jida, qui a retracé la biographie de Defleur et qui a également fait une raison funèbre en sa mémoire. Nous demanderons donc à toutes les personnes qui se tiendront à M. Jida pour les allocutions d'être brèves, parce que non seulement nous devons prendre le long chemin qui va nous amener jusqu'à la nécropole entre terre et sainte, mais aussi nous devons respecter le programme en son excellence, monsieur le gouverneur David de Kinshasa, qui est appelé à d'autres charges politiques après midi. Merci. Donc, soyons brefs et concis, s'il vous plaît. Alors, ceci dit, avant que nous passions aux allocutions, qui démarreront par le nom des notables de Bandamouga, qui sera dit par. Le colonel de l'Alimoké, nous allons appeler l'honorable député national Francis Kalongo pour le premier témoignage. Merci beaucoup. Quoi dire pour l'artiste qui vient de nous quitter? Je pense que la dernière fois qu'il a été monté sur un podium, c'est lorsqu'on devait rendre hommage à Michael Jackson. On lui avait accordé 15 minutes, mais là j'ai resté une heure sans repos. Pour un artiste, qu'est-ce que nous pouvons dire? L'artiste nous a plu. Il a aidé le moment le plus douloureux. Je crois que ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de l'applaudir pour une dernière fois avant qu'il puisse nous quitter. Applaudissons pour le moment. Plus que ça, il n'y a pas. Merci beaucoup. Voilà, Sophie Moulin, merci. A suffi pour rendre hommage à Raja Koula de la part de l'honorable Francis Kalombo, qui, je vous le rappelle, est également notable de la commune de Bandamouga. Donc, il a connu Raja Koula. Il a suivi sa carrière et pour ce faire, au vu de la grandeur de son œuvre, il a tout simplement dit merci. Voilà. Alors, nous allons appeler pour un dernier témoignage l'artiste musicien Ali Munda, la main de fer. La main de fer, s'il veut venir témoigner un peu de mots sur l'artiste. Ali Munda. Vous êtes ici, vous voulez témoigner, vous voulez. Écoute, allez, vous d'ailleurs, on va vous parler. La main de fer, réellement, qui est produit à la Wendo Logica. C'est une émotion. C'est Béli. Un dingue directeur qui a regardé donné. En tout cas, et le gosse a une émotion de la forêt, pas de la forêt.
papa va dire à Sala Bangou, à Sala Bakri, à Sala Badas à danger, pour qu'ils soient ouignés, mais le tout pour ma danger, tout le États-Unis, tout le monde conseil, et ça qu'on a Raja Koula. En tout cas, famille Raja, tu peux se mettre mes condoléances, tu peux souhaiter mieux mes condoléances, mieux nous. En tout cas, maman, je sais, elle se met sur la bandale, ça t'a l'air de goût à la tête, on a papa n'a Raja Koula. Merci, nous avons des athées, tu donnes l'émotion. Merci dans la bandale, la personne qui nous montre le matériel, surtout vous, vous voyez, pour qu'on puisse avancer dans nos condoléances, en tout cas, la société qui nous donne nos condoléances, merci. Pour le nom de l'État de Bangalore, le colonel de l'Aliouké. Elle a levé une conseil à l'Imbombe. Micro. Députés nationaux et provinciaux. Monsieur le gouverneur, le gouverneur de la ville de Kinshasa. Monsieur le gouverneur de la commune de Paris. Mesdames et messieurs, ce jour, tout vandal est abasourdi. Tout vandal est déboussolé. La multitude que nous formons dans ce site est un seul corps, car nous voulons tous rendre un dernier et vibrant hommage à notre père. Lui rendre hommage nous rappelle l'Ecclésiaste, un livre de la Bible hébraïque. Il y a un moment pour tout, un temps pour toute activité sur le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir. Le décès de Raja Koula me rappelle Franklin Bukaka. Franklin Bukaka, c'est un musicien de renom qui a exercé non seulement à Kinshasa, mais plus qu'à Brazzaville. Il a été auteur de plusieurs chansons. Et j'en retiens une, Les Immortels. Dans cette chanson, Les Immortels, il dit ceci, je le cite, un vieux que je considère toujours comme jeune m'a dit un jour, permettez-moi la répétition, un jour tout homme doit mourir, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Fin de citation. Ces belles paroles reflètent l'image de Raja Koula. En effet, chanteur et chorégraphe congolais de renom, des temps modernes, et plus précisément des années 80 et 90, il a tiré sa révérence le 18 août 2020 à Nairobi, alors qu'on s'y attendait. Le moine. Raja Koula a fait le nord de la commune de Bandalongo. C'est pourquoi tout Bandal le pleure. Tout Bandal l'a aimé et tout Bandal voudrait l'accompagner à sa dernière demeure.
qui courent derrière la montre. Les temps nous font défaut. Je dirais seulement à Radio Kula, il est Timothée. Ses œuvres sont Timothée. Et tout Bandal ne l'oubliera jamais pour tout ce qu'il fait. Et je termine par là. Vive Radio Kula et vive la commune de Mandalore. Je vous remercie. Djibril, la place, Djibril. Vous savez, la langue, on a ce moment, dégagez ce moment. Trois Japonais, Radio Kula, c'est des spectacles. Trois Japonais, on a ce moment, on a sa musique. Et qui est-ce qui m'a dit? Il est bon, il est bon. Démonstration sans musique. Toqué. Suite, toqué. Et je voudrais vous remercier de vous être impliqué pour que ces obsèques soient à la hauteur et à la dimension de l'artiste. Radio Kula intervient dans la musique congolaise à partir du moment où la troisième génération se crée, où des jeunes gens de la ville de Kinshasa montent deux groupes, Zaïko Langalanga et Tousaïna, fondés sous la scène créée par un autre, Manoa Kouakou et Roxy Chimpaka. Il accompagne, et à la machine, à la batterie, il y a un certain Mary Joe et Bakunde Milo Pablo. Il a fallu donc que le Seben qui vient d'être créé ait un soubassement de danse. Voilà comment intervient Radio Kula à partir de 1969, pratiquement, à la création des Haïkus. Et il a accompagné ainsi toute la carrière de la musique congolaise moderne jusqu'à ce jour et jusqu'à l'étranger. Aujourd'hui, c'est une grosse perte. Il donnait pratiquement le cours sur un tableau. Et lui-même, lorsqu'il était avec son groupe, il arrivait que pendant la chorégraphie, il en créait d'autres au point de déboussoler ses autres danseurs. Je l'ai connu justement à Télé Zaïre, où grâce à Lutu Mabangu, qui est parti, le Kunku Sampu dans le corps arrive ce soir, qui a autorisé qu'il puisse accompagner le groupe extra-musical de Brazzaville qu'il avait choisi. Donc aujourd'hui, c'est une grosse perte pour la musique congolaise. Et que seul Dieu peut nous donner d'autres Radio Kula, d'autres créateurs de danse. En ce moment où notre musique est en perte de vitesse, en cessation d'inspiration, il nous faut d'autres génies créateurs. Que la disparition de Radio Kula soit une occasion pour éclore de nouveaux talents. Merci encore une fois, Monsieur le Gouverneur, pour tout ce que vous avez fait pour ces ancêtres. La ville de Kinshasa ne vous sera plus reconnaissante. Vous êtes un vrai talent. Merci beaucoup. J'ai dit et je vous remercie. Vrai de Kinshasa, avec l'expression de ma très haute considération. Mesdames et messieurs, chers membres de la famille Radio Kula, nous sommes regroupés ici dans la commune de Bandalungwa,
et en ma qualité de premier citoyen de cette juridiction administrative, je prends la parole en cette douloureuse circonstance à la suite du décès il y a quelques jours de notre frère Roger Diasiwa, plus connu sous son nom de scène, Rajakul. Avant toute chose, je voudrais, au nom de tous les résidents de ma commune, remercier en premier lieu l'autorité urbaine, l'excellence, M. Gentiny Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, pour son implication personnelle à l'organisation des obsèques de l'artiste. Oui, il fut un artiste qui a forgé son talent ici et dont le succès est allé. Président provincial de la ville province de Kinshasa. Excellence, monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Excellence, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives, chers collègues, artistes, je tiens à remercier vivement Monsieur le Président de l'Assemblée province de Kinshasa, le pasteur Godin Poi et son Excellence, le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Monsieur Gentiny Ngobila Mbaka, ainsi que son gouvernement qui a porté une forte contribution pour l'organisation de ses funérailles. De tous ceux qui ont aussi exprimé leur solidarité à la famille biologique de l'Église. Monsieur le président de la Sokodam, chers frères artistes musiciens, chers notables de la commune de Bangaloura, chers frères en Christ, comme disent les catholiques, Shalom. Par rapport à la circonstance, vu l'émotion qui m'anime aujourd'hui, d'être ici parmi vous pour honorer, rendre hommage à ce grand artiste, Yambo Yambaï Yakoloba, m'a présenté dans mes condoléances, ma famille Ya Rajakoma, c'est-à-dire moi, c'est Naïbi Adolèque divorcé, non, Adolèque plutôt veuve. Bananae, Balek Nae, Bakulut Nae, famille Mobimba, et Yami Balé, m'a représenté ma condoléance, ma bana, ya Bangamungwa. Ma condoléance à nous tous, Bananae. Et le bâton. Donc, pour le coup, on peut pas jeter là.
Tony, Barabara d'un côté là, Dédéna, Atamoto, Raja Kula. Raja Kula, accueilli pour Poma. La commune du Barabara, il y a un matin là, la nominateur est de feu. Et j'ai dit d'abord qu'on n'a pas la même chose. Parce qu'on a dit, Merci mon congé. En tant que gouverneur, nous avons aussi un maillot, l'opportunité au fil de votre profession, maintenant où il y a un profil. Toujours aussi un maillot. Merci à l'organisation de vos salles. Mais nous avons aussi la passe. L'initiative aussi à vos salles à venir du monde comme à Rajakula. Ma tête là. Tout ça, merci. Mais nous avons aussi un maillot. Tout ça, on va les tickets. Au lieu de passer à la croix baptisée, à venir du bon nom à Rajakula. Matéte là. Salam à Kassi, papa, salut Sabiso. Aux hommes, c'est la mission résidence du Japon. La Matéte là, 90. Matéte à Bisso, nous parlons en fond du Tanda. Il y a un moment de pays pour les Layana en Syrie. Et ça passe. Honorable Francis Balongaï Makambo, la Zoroba. Vos Chabiso, ma beau, vos familles. Talama, la Goma, on va dans l'aéroport pour deux ans en place. Monsieur le gouverneur, salut Sabiso. En tout cas, salut Sabiso. Maman, ma sœur, elle est on a le mot d'être à ma pauvre. Vous avez un salut Sabiso. Salut Sabiso. Merci, merci beaucoup. Merci de continuer. Je crois qu'il y a le livre de Togoléens, tous les officiels qui n'ont pas eu le temps de passer à la maison pour les rappeler que je fais avec vous. Bon chef, tous on a biso mo tous avoir ressource, tous on a mouké, chef pour faire son pépé. Il y a un barrage à Kula, il y a un barrage à la Batizé là. Il y a un barrage à la Fomikanda.
Alors, la recette la honorable Francis Kalombo, à Zalipé avocat, a constitué collectif y a avocat à Barabandal. Comme ça, tout l'an de la Magambouana n'a de petit nous. Et tout le monde est en bas. Voilà. C'est de cette façon que pour coquille, pour rendre justice dans le Gourabiso Rajakula. Malgré un pays, à Tikibana, à Tikibandeko, Bazan a droit de récupérer le Pangorabango et la famille. Merci. Honorable député national de ce matériel, le livre de condoléances, je ne sais pas si vous voulez au fur Ça aussi, je suis
un enfant de Bandal. Ngana koli na Bandal. Donc Raja Kula zali vraiment vieux nanga. Vieux nanga vraiment ya quartier quoi. Et ba danse na ye bercé biso. Bou mon na biso mobimba. Tandis que nemi na batété la temps bazo répéter, tozo ki na rakuna, tozo assister na ba répétition, to ko ta na ba concert. Donc Mutake zali vraiment une grande icône. Et je tiens à remercier le gouverneur de la ville de Kinshasa, où a débaptisé Avenue Bapetetela, à commission Avenue Raja Kula. En tout cas, en tant que bon la Bandal, ça me va droit au cœur. Parce qu'il faut savoir immortaliser les artistes. Et c'est mon langage, Isali, aujourd'hui, on vient d'immortaliser cette grande personnalité musicale au nom de Raja Kula. Voilà. Merci beaucoup. Quel souvenir il y a à Raja Kula où ça a regardé? Ah, mais t'as la badance belle, la badance le roi Batora. Ils ont dansé dans la boutoura. Ils ont dansé dans la barreco. Non, vraiment, c'est un grand créateur de danse qui vient de nous quitter. Et Nena Ebisio, en tout cas, grand merci au gouverneur de la ville de Kinshasa pour ses obsèques. Parce que ce qu'ils ont été, en tout cas, je pense qu'on n'allait pas l'enterrer avec autant de dignité. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Et souhaite l'anga, ils ont dit que prochainement, il faudra tout créer la salle de spectacle. Il y a Minene. Au dropé ça on va combo pour Yabaraja Kula. Vous comprenez? Donc voilà, le vieux est parti, paix à son âme, mais comme on dit, un artiste ne meurt jamais. Voilà. Merci.